Coucou les filles, alors je vous retrouve, et les garçons, je vous retrouve pour vous faire un tag, et le nom du tag ce sera le tag de l'année. Donc je vais commencer tout de suite parce que y a quand même 21 questions. Donc la marque qui t'a ruiné, je dirais Kiko. Ouais, Kiko. Peut-être. Je mets aussi. Kiko, Urban Decay, Lush. Toi, une marque qui t'a déçu. Il n'y a pas de marque qui m'a déçu plus des produits. Pas de marque en fait. Peut-être ce serait plus des produits. M'aurait demandé un produit qui t'a déçu, oui. Mais là, non, j'ai pas de marque spéciale qui m'a vraiment déçu. Je calerai pas bien là. Un produit que tu regrettes d'avoir acheté et que tu as refourgué. Un produit que je regrette d'avoir acheté et que j'ai refourgué. Peut-être des produits Yves Rocher. Je sais que j'en ai donné beaucoup à ma sœur, j'ai pas trop apprécié. Et je lui ai donné. Donc ça, je dirais des produits Yves Rocher, ouais. Oui, des mascaras, j'avais un eyeliner aussi. Un produit qui t'a donné faim. Entre autres, ce produit-là. Parce que le pire, c'est qu'on peut le manger. Une fois qu'on s'est exfolié les lèvres avec, bah, ça reste sur les lèvres, bah, vous pouvez passer la langue, il n'y a pas de problème, quoi, c'est du sucre. Ces produits-là, cottage, surtout celui-là, au caramel. C'est juste une tuerie en odeur. Ce produit là à la framboise, ce parfum, pareil, c'est juste top. Et mon petit dernier, celui à pomme délice de chez Yves Rocher. Oh là là, c'est trop bien. Et la plupart des produits Lush en fait. Ouais, pas mal de produits Lush m'ont donné faim. Et ainsi que les bougies Yankee Candle. On t'allume ça. Un produit que YouTube t'a fait acheter et qui en fait n'est pas si génial que ça. Les produits que YouTube m'ont fait acheter, il y en a quand même pas mal. Peut-être ça. Le fluide éclat du jour de chez Clarins que je n'arrive pas à terminer. Je n'avance pas dedans. Je n'avance pas, j'ai d'autres produits moins chers et qui m'intéressent mieux et j'y arrive pas. Voilà, si je le casse comme ça, c'est réglé. On verrait pas. Si un peu là, peut-être ce qui manque. J'ai ouvert le 4 septembre et ça avance pas. Ce serait peut-être celui-là. Parce que sinon la plupart du temps moi j'avoue que je suis pas trop je l'achète et j'utilise en général. En général ça va. Ouais. Je dirais ça. Un produit qui ne te sert à rien. Il y a marqué un produit objet qui ne te sert à rien. C'est ce démaquillant Biocura que j'ai depuis je sais pas combien de temps mais que je n'utilise pas. Il est là mais il sert à rien. Voilà. En tout cas, si j'ai la guerre, enfin si on a la guerre, j'aurai un démaquillant. Mais j'en ai un autre aussi comme ça qui est là et que... Merde, je parle mais je ne suis plus dans la caméra. Mais j'en ai un autre comme ça qui est là mais qui ne me sert pas. Il y a mes produits aussi que j'ai en double qui sont là mais qui ne me servent pas. Voilà, mais je les ai. Une astuce découverte dans l'année. Alors ce serait celle de Fait des vidéos pour voir si dans vos rouges à lèvres il y a du plomb ou faire son vernis soi-même. Et ça c'est Coco Makeup en fait. Donc je vous mettrai les deux vidéos parce que j'ai fait les deux tests. Ici le rouge à lèvres et ici les ongles. Enfin le vernis. La youtubeuse, youtubeur avec qui tu as le plus copiné ou échangé. Je dirais donc Fait des vidéos. D'ailleurs on s'est rencontrés et tout. On a fait un week-end
craquage de string total. Après j'ai une abonnée, Miss Chupi, que j'apprécie beaucoup, qui est très gentille. Elle laisse toujours plein de commentaires mignons. Et ce serait ce, peut-être aussi ma copinée, non peut-être pas, mais c'est quelqu'un de que j'aime beaucoup, enfin que j'apprécie, même si pendant un moment on ne s'est plus adressé la parole à cause d'un petit malentendu. Bref, on s'en fout. C'est donc notre fameux Kirikou national de YouTube. Je pense que vous le connaissez toutes. Voilà, sinon, il y a beaucoup de youtubeuses que je regarde, mais à part faire des vidéos, il n'y en a pas beaucoup avec qui j'ai vraiment échangé, copiné, etc. La vidéo qui t'a le plus plu. Oh là là. Il y en a plein. Je sais pas, il y a tellement de vidéos. On peut pas choisir. On est youtubeuse, on regarde autant de vidéos qu'on en fait, on en regarde surtout plus qu'on en fait. Donc comment voulez-vous qu'on choisisse une vidéo? Non. Les vidéos qui me plaisent le plus sont peut-être celles de Fait des vidéos, de Coco Makeup. C'est deux personnes que je regarde beaucoup. Nena Strass aussi, j'aime beaucoup. Mais je peux pas vous donner une vidéo. Là, franchement, non. Je suis désolée. Je cherche pourtant, mais là... Une paire de chaussures qui t'a fait envie. Bon, alors moi, les chaussures, franchement, j'en ai quelques-unes. Enfin, j'en ai beaucoup même. Mais je ne suis pas complètement raide dingue des chaussures. Je vous mettrai la photo d'une paire de chaussures qui me plaît. Et voilà, ça s'arrêtera là, mais pas forcément qui me fait envie. Je veux dire, quand je vais dans les magasins, je me jette pas sur les chaussures. Même si j'aime beaucoup regarder les chaussures quand même. Un accessoire qui est devenu ton chouchou. Un accessoire qui est devenu mon chouchou, je dirais... ça fait pas longtemps que je l'ai. Bonjour. C'est le headband de la Little Box de décembre. Donc je l'aime beaucoup, sinon mes chambala et mes petites pinces en forme de fleurs, comme ceci. Voilà. Le sac de l'année. Mon sac de l'année, lequel j'ai utilisé le plus. Alors cette année j'ai utilisé... beaucoup celui-là, celui que mon chéri m'a acheté. J'ai acheté beaucoup celui-là, mais là en fin d'année j'ai changé. Mais c'est pas le sac de l'année, donc je ne vous le montre pas. Le produit que tu voulais absolument et que tu n'as toujours pas. Ce sont des produits Guerlain. Et c'est vraiment trop cher, c'est pour ça que je les ai pas. Hein. C'est pas un... C'est... je sais plus du tout, c'est quelle collection. C'est... la gamme de nuit de chez Guerlain, la Veille Royale. Ça coûte un bras. Mais c'est top, franchement ils sont top, je l'ai testé. Vous en mettez pas beaucoup, ça dure super longtemps. Mais ça coûte juste un bras. Mais voilà, ça c'est ce que je voudrais mais que je n'ai toujours pas. Et une palette Too Faced aussi, la Sexy, le Professional, vraiment plein de trucs. Mais bon, ça c'est vraiment ce que j'aimerais avoir mais que je n'ai toujours pas. Tant pis pour moi. Le produit marque révélation pour toi, je dirais Lush parce que Lush, j'ai beaucoup aimé. Je dirais Lush, Kiko. J'ai découvert Marc. Mais qui est ce marque? J'ai découvert Mac grâce à Fait des vidéos. J'avoue que c'est pas une marque. Mac. C'est pas une marque qui m'a attiré. Mais. Ouais, je dirais Mac. Mais surtout Lush, Kiko. Et. Ouais, Lush, Kiko. C'est vraiment ce que j'ai découvert comme marque.
Ensuite, un vernis qui t'a conquis. Ouh là là, les filles, un vernis qui m'a conquis. J'en ai 105. Lequel test vous préférez? Franchement, je vais essayer d'en trouver un quand même. Donc, il y a un rimmel ici. Que j'aime beaucoup, c'est vrai. C'est le... Pour celles qui s'intéressent, c'est le... Je sais pas. Ça vous intéresse? Bah, vous aurez pas. Le 210 était réel. Et... Où est l'autre? Ah si, celui-là. Que j'avais eu dans le magazine Closer. C'est un taupe. Magnifique. Il est sublime. Après, je dirais aussi le truc qui est Rome. Et celui que j'achète à chaque fois. Je rachète à chaque fois, c'est mon top coat bourgeois. Je l'adore. Sincèrement, je l'adore. Et celui-ci, donc, de chez Clean Colors, je le cherchais. C'est le 84 Pearl Fuchsia. Et il est juste magnifique. Je l'adore. J'ai aussi un Coastal Scent. Je sais pas où je l'ai fourré, mais il est là. Il est magnifique aussi. J'ai plein de Kiko aussi que j'aime beaucoup. Donc c'est pas facile comme question. Mais bon, je vous ai montré quelques-uns. En plus, il suffit que vous alliez voir dans mon top 10 des vernis. Voilà. Sauf que depuis, j'en ai eu d'autres. L'objet produit dont on a trop parlé. Peut-être la Bioderma Créaline. On en a beaucoup parlé. Moi, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'on en a énormément, énormément parlé. Les bougies Yankee Candle aussi. Pendant un moment, on n'entendait parler que de ça. Mais j'en ai acheté. Mais c'est vrai que ce sont des produits dont on a énormément, énormément parlé. Les gels douche Cottage aussi, également. On en a beaucoup parlé. Les pinceaux Real Techniques. On en parle toujours, d'ailleurs. C'est comme les Cottage, on en parle toujours. Mais... Celui dont on a beaucoup parlé, peut-être pas trop, mais beaucoup, c'est vraiment la Créaline, pas la Bioderma. Et j'ai aussi entendu beaucoup parler du Lip Glow et du Lip Glow et du Rosy Glow de chez Dior. Et les illusions d'ombre aussi, les Color Tattoo. Il y a beaucoup de choses dont on a beaucoup entendu parler. Mais bon, après, si vous avez pas envie de regarder la vidéo, vous la regardez pas, quoi. Ton top du top en matière de soins. Mon top du top en matière de soins. Voilà. Vous connaissez? Je dirais la Créaline et... Merde, j'ai loupé la caméra. Ma Créaline que j'ai post-copie. Et mon Control Shine de chez Nivea. Je dirais ça. Pour l'instant. C'est ce que j'utilise tous les jours, quotidiennement. Ah oui, mon eau de romarin aussi. Que j'utilise très très souvent. Voilà. C'est vraiment mes top du top en matière de soins. J'ai un masque aussi Nivea que je vous présente assez souvent dans mes produits top. Ton top du top en matière de maquillage. Ouh. Ce serait mon concealer de chez MAC. La base de chez Make Up Forever. Ma poudre HD. Celui-ci, le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal. Ça, c'est vraiment mes tops que je mets tous les jours. Après, ah oui, non, je vais vous faire chier un peu, ça fait longtemps que je vous en avais pas parlé. Mon mascara Lancôme, il est presque fini, je le sais, je le sens, je le sens qu'il est presque fini. Ça, c'est un top. C'est un méga top. Un indispensable cheveux. Ma brosse. Quoi? C'était drôle. Non, ma brosse, c'est vrai. Et mon shampoing Lush. Non, mon après-shampoing Lush, le Vive la Révolution. Oh, c'est un indispensable. Moi, j'attends les soldes, là. Enfin, j'attends les soldes. De toute façon, ils n'ont pas de soldes. Pas beaucoup de soldes chez Lush. Mais j'attends pour pouvoir aller me le racheter. Ta meilleure affaire de l'année, solde, vente privée. Aucune idée. Ce qu'on m'a offert, écoute, moi c'est pas trop cher. Non, sérieux.
J'ai acheté un vernis au pied pendant les soldes. Comme beaucoup, au lieu de le payer 13€, je l'ai payé 4,17€. Bon, c'est quand même une bonne affaire. Je réfléchis là, attendez. Le coffret-ci que j'avais eu chez Nocibé, il faisait des soldes. Des soldes comme ça. Et je l'ai eu à, je sais plus, moins 50%, je crois. Je me souviens plus. Si, c'est ça. Et donc voilà. Ça doit être l'une de mes meilleures affaires. Le premier produit que je vais racheter en 2013, sûrement mon Vive la Révolution de Lush. Et mon Vive la Révolution de Lush sera déjà pas mal. Peut-être, je sais pas. Alors, je saurais pas vous dire le premier produit que je vais racheter. Franchement, c'est quoi cette question? Quoi cette question de barbare? Comment voulez-vous que je choisisse un seul produit, moi? Mais je dirais, en priorité, le Vive la Révolution de chez Lush, donc mon après-shampoing. Il n'y a que ça qui me vient, peut-être mon mascara de chez Lancôme. Donc voilà, le premier produit, bah, je pense que ce sera produit de chez Lush. Mais après, franchement, il y en aura d'autres, quoi. Et, bah, c'est tout. Donc voilà, il n'y a pas marqué qui voulez-vous taguer, donc je ne tague personne. Tous ceux qui veulent le faire, allez-y, foncez, il n'y a pas de problème. Donc voilà les filles, je vais vous faire des gros bisous. Et je vais vous... J'ai le hoquet. Et je vais vous dire à la prochaine vidéo, comme d'habitude. Bye bye.